Je vous écoute. J'ai un problème. Alors oui, alors ça je connais un superbe traitement, il suffit d'un mois de séance, et puis après vos cheveux recommencent à pousser, il n'y a plus de soucis. Alors, quel genre de problème exactement? C'est un problème familial, un problème... J'ai pas de famille. Pas de famille, je vois, j'entends bien. Comme Rémi, un peu. Non, vous devez pas être de la bonne génération, visiblement. Vous êtes né quand? C'est marqué sur mon crâne. Ah mais c'est pratique. Hein, du coup, vos amis se souviennent de votre date d'anniversaire, c'est pratique. Alors, c'est une petite blague, hein. J'ai votre date de naissance sur mon dossier, de toute façon. Oui, hein, tout comme j'ai la vôtre dans mon dossier sur vous. Vous avez un dossier sur moi? Oui. Alors, quel genre de problème vous avez exactement? C'est un problème au travail, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, à quand remonte votre dernière mission? Elle n'est pas finie. D'accord. Alors c'est peut-être elle qui vous tracasse alors. Hein, vous devriez peut-être relâcher un peu la pression par rapport à ça. J'aime mon travail. Mais moi aussi j'aime mon travail, hein, mais ça m'empêche pas de prendre des vacances, de refuser certaines séances, hein, pas avec vous, hein, bien évidemment, parce que voilà, ça aurait aucun intérêt. Justement pour savoir que je ne suis pas prisonnier de mon travail. Mon agence risque de ne pas être satisfaite. Alors justement, il est là le problème. Hein, on vous donne des ordres et vous ne supportez pas la hiérarchie. Ne faites pas ce qu'on vous demande. Vous avez raison, je suis votre conseil. Très bonne idée. Je vais pas écouter vos conseils et je vais terminer ma mission. Très mauvaise idée. En plus, votre gilet a l'air très agréable. Je vous le donne, hein. J'allais vous le donner, de toute façon. Non, je vous donne mes vêtements. Ça vous dérange pas que je me déguise en psy? Non, allez-y. Allez. Voilà, c'est du 44. Attendez, vous avez honte? Vous aviez honte de vous déguiser jusqu'ici? À l'agence, ils ont eu... Ils ont jamais voulu que je me déguise en cow-boy et une fois je me suis déguisé en Dark Vador, ça va, c'est une fois, c'est pour un délire, et ils m'ont dit tu veux ressembler à Dark Vador même sous le casque, et bah tu vas y ressembler même sous le casque, et du coup ils m'ont rendu chauve avec de l'acide. Un manque, un traumatisme. C'est pour ça que je tue les gens, c'est pour pas qu'ils me voient me déguiser, parce qu'en plus j'aime ça. Tuer les... J'aime tuer. J'aime tuer. Tuer. Pas. Fou. C'est un slag. Éclair. Oui, plus ce bruit-là. Fou, en fait. J'adore. Tous les jours, j'aime ça. J'aime ça. Et ben voilà, hein, il vous faut séparer votre vie en deux. D'un côté, votre métier, et de l'autre, votre passion pour le déguisement. Vous avez entièrement raison. Je vais terminer mon travail, et après, je pourrai me déguiser. Voilà. Fin de séance.